Bonsoir, bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes manifestement à l'antenne et je dois dire que c'est un plaisir de vous retrouver comme tous les dimanches pour cette nouvelle édition de Scène de presse. C'est votre plateforme de débat, toujours à l'affût de l'actu pour vous décoder toutes les clés de l'info qu'il vous faut. C'est notre 359e rendez-vous en vitrine dans cette édition de Scène de presse, migration de la télévision au numérique vers une bataille de l'audience sans précédent. L'explosion de l'offre télévisuelle place plus que jamais le téléspectateur zappeur au centre du jeu. Le Cameroun prépare son entrée dans ce nouveau monde de la télévision de nos rêves. Le dispositif réglementaire est quasiment à jour. L'infrastructure technique se met en place. La CRTV, chaîne de télévision publique, et les autres éditeurs se préparent pour ce grand saut vers le futur. Présidentielle ivoirienne, en attendant le verdict des urnes, 6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche. Face au président sortant Alassane Ouattara, archi-favori, 6 autres postulants ont sollicité la faveur des électeurs. Nous aurons en ligne dans quelques instants seulement notre envoyé spécial Abidjan-Séverin Aléga sur l'atmosphère qui prévaut à Abidjan 5 jours, 5 ans, 5 ans après l'élection présidentielle qui avait malheureusement débouché sur une crise post-électorale avec à la clé plus de 3 000 morts. On espère que les Ivoiriens ont définitivement tourné cette page. Scène de presse ce soir, c'est comme de bien entendu la revue de presse, mais aussi le zooming sur l'actu, le focus du soir, les plus et bien sûr les unes du lundi pour la primeur de l'info en exclusivité en fin d'émission. Mais je vous propose tout d'abord de découvrir nos invités du soir, mise en scène par Gisèle Onguédé. Ses yeux qui scrutent, vont et viennent, sont très avisés, tellement ils ont vu et voient encore défiler sur de petits écrans et géants le meilleur et le pire de la télévision et même du cinéma contemporain. Pour avoir été aux commandes de Canal 7 Cameroun, le journaliste Jackson Duque, formé à Lille en France, peut sans risque de se tromper décrypter à justesse les chances et les risques que court la première chaîne de télévision nationale du Cameroun, ses radios urbaines et régionales, à l'heure où se multiplient les opportunités et les contraintes de la TNT, la télévision numérique terrestre. Licencié en sciences économiques, il sait combien la gestion et la planification des ressources sont déterminantes, exigeantes et délicates pour un office de radio-télévision qui rame contre les péripéties de la concurrence. Cet homme est le témoin de multiples mutations que vivent les médias et la CRTV en particulier au Cameroun. Éditorialiste, Daniel Anissé-Noir est entré à Radio Cameroun comme journaliste dans les années 75. Aujourd'hui, expert en images de marque, l'ancien rédacteur en chef de sport de l'Office œuvre à l'implémentation d'une radio digitale, Nkulbeti, à la communauté urbaine de Yaoundé. Habilité à diriger la recherche, le professeur d'université qu'il est par ailleurs possède et connaît bien les paramètres et les critères d'appréciation appropriés pour nous dire si l'issue du récent forum de la CRTV sur ses contenus, les contenus de ses 6 chaînes numériques, est prometteuse ou non. Le conseiller technique numéro 1 du ministère de la Communication, Félix Zongo, est l'homonyme d'un président ivoirien encore adulé longtemps après sa mort. Bien préoccupé par ailleurs par les défis qui éprouvent les organes de presse nationaux et pro-gouvernementaux de son propre pays natal, l'ancien chef du département de publicité à l'Estic a une oreille bien penchée sur l'actualité la plus brûlante du pays d'Oufouette-Boigny. L'élection présidentielle de ce dimanche 25 octobre 2015 et son taux d'abstention élevé pour les électeurs qui eux-mêmes ne dépassent pas 6,3 millions. Enseignant et militant du parti au pouvoir, il saurait bien interpréter le retrait à la dernière minute de quelques candidats de la course à la magistrature suprême de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Si Sango Malo a propulsé Basek Bakobio sous les projecteurs comme grand réalisateur, comme grand cinéaste et producteur, à travers le prix du public au 2e Festival du cinéma africain de Milan en Italie en 1992, certains cinéphiles ignorent peut-être que le père des écrans noirs,
festival qu'il a créé en 97, est d'abord un philosophe et un sociologue à la langue très féroce et à la plume vive. D'ailleurs, l'homme est critique littéraire et auteur lui-même de plusieurs ouvrages, dont Les eaux qui débordent, paru en 84, puis Cameroun, La fin du maquis et Ouverture démocratique, paru en 86 chez La Matin. Argument suffisamment valable pour comprendre pourquoi la satire est son lot quotidien. Découvrons ce soir comment il peint dans un scénario le projet d'Alassane Ouattara d'ériger une réforme constitutionnelle en vue d'abroger la clause sur l'ivoirité s'il était réélu à la tête du pays pour lui éviter une fois encore la guerre civile, bref, le chaos de 2010. Merci Gisèle. Et puisque vous parlez de la Côte d'Ivoire, nous allons justement mettre le cap sur Abidjan pour retrouver notre envoyé spécial que nous avons en ligne. Bonsoir Séverin, et quelle est l'atmosphère ce soir à Abidjan et en Côte d'Ivoire de manière générale après cette journée d'élection? Bonsoir Aimé Robert et bienvenue ici à Abidjan. Bonsoir à tous les invités sur le plateau. Disons que, de manière globale, c'est le calme qui prévaut ici à Abidjan et un peu partout sur le territoire ivoirien. Le scrutin qui a commencé le matin à 8 heures s'est déroulé plus ou moins dans le calme. On ne signale pas un incident majeur en tant que tel. Peut-être que les informations ne nous sont pas encore parvenues. Tout à l'heure, je regardais encore notre source ici, qui est la radio-télévision ivoirienne. Pas grand-chose à signaler. Il y a eu certainement quelques manquements dans les bureaux de vote disséminés à travers le territoire. Des manquements, bien évidemment, qui sont liés à l'organisation de ce type d'événements. Mais de manière globale, ce soir encore, je pense peut-être avec beaucoup de risques, je puis dire que le calme prévaut ici à Abidjan et partout ailleurs où nous avons jusque-là. Alors, Séverin, j'espère que vous êtes encore en ligne. Séverin, vous avez certainement pu capter les premières déclarations des principaux candidats, notamment le président Ouattara, mais aussi son principal challenger à Fingessan, le candidat du FPI, et peut-être également Kakabé, le candidat dissident du PDCI. Ce sont certainement les trois candidatures qui sortent du lot. Que disent-ils ce soir? Disons que nous n'avons pas eu tous les candidats que vous venez de citer. Donc on choisit de commencer la journée du vote dans leur fief, leur village respectif. D'autres ont voté plutôt à Abidjan. C'est le cas du président sortant, Alassane Draman Ouattara, qui a voté aux environs de midi au lycée Sainte-Marie à Abidjan, à Cocody Centre. Il était accompagné de son épouse. Évidemment, le président sortant, Alassane Ouattara, vous connaissez bien son tempérament, c'est pas l'homme des grandes déclarations. Je crois que le discours qu'il tenait pendant la campagne électorale, il l'a encore tenu aujourd'hui, à savoir qu'en 2010, il avait déjà voté dans le même centre. Mais en 2010, il constatait qu'il y avait moins de gens. Aujourd'hui, il était fier de voir que l'appel lancé aux citoyens ivoiriens de se rendre aux urnes a été entendu. Et à la fin, il demandait aux Ivoiriens de pouvoir suivre le processus jusqu'à la fin, de sorte que les résultats qu'on aura, que ces résultats-là soient acceptés par tous, parce que, disait-il, la Côte d'Ivoire a d'autres défis à relever, des défis de développement économique, les défis de la paix pour reconstruire le pays, car beaucoup de citoyens de ce pays ont encore à cœur ce qui s'est passé dans le pays pendant la crise post-électorale de 2010. Donc pour lui, c'était cet appel, l'appel à la réconciliation, à la stabilité, à la paix dans le pays. Et dans le même bureau de vote, il y avait un autre candidat qui a pu voter ici, à savoir Konan Kwadio-Siméon. C'est un candidat qui est connu aussi, parce que l'histoire raconte que l'argent qu'on donnait pour le financement de la campagne, 600 millions par candidat, lui, il a refusé de prendre cet argent et il s'est mis en campagne. Alors, il a voté un peu avant le président
à Alassane Ouattara. Pour lui, c'est aussi une grosse affaire pour la Côte d'Ivoire, qui a besoin aujourd'hui de redécoller après ce qui s'est passé en 2010. Donc, en gros, quand on écoute peut-être ceux qui ont voté dans les autres régions du pays, quand on les écoute, l'appel, c'est surtout à la réconciliation, au calme, accepter déjà les résultats, chacun d'eux ayant signé ce qu'on appelait ici un code de conduite. Alors, peut-être dernière question, Séverin, c'est sûr qu'on devrait avoir les premières tendances au cœur de la nuit. Que dit électoral, quelle est la suite du processus électoral, proclamation des résultats provisoires, dans quel délai par la CI avant la proclamation définitive par la Cour constitutionnelle? D'abord, sur les tendances, il faut avouer qu'on ne communique pas beaucoup ici sur les chiffres, vous devez le savoir, mais déjà, on avait à mi-journée une tendance disait qu'il y avait à peu près 40% de votants qui s'étaient déjà rendus aux urnes. Ça, c'était un chiffre non officiel. Maintenant, on attend ce qui viendra de la commission électorale indépendante, aux environs des minutes, comme vous le dites si bien. La commission qui devrait avoir rapidement ce taux-là, parce que il y a ici cette petite innovation, à savoir que dans tous les bureaux de vote, on a expérimenté l'utilisation de ce qu'on appelle ici la tablette biométrique. C'est un outil qui permet aux membres de chaque bureau de vote d'identifier déjà le votant qui est là, l'électeur qui arrive, de pouvoir éviter les doublons et de transmettre le plus rapidement possible les données qui sont enregistrées dans chaque bureau de vote, à savoir le nombre de votants, à quel moment il a voté, les résultats. Parce que quand on finit, le bureau de vote filme ou photographie à peu près le procès verbal qu'il envoie directement à la commission électorale centrale pour le déploiement des résultats. Alors, ce travail a bien évidemment commencé à la commission électorale indépendante, à savoir que l'acheminement des résultats, ce qu'ils vont faire toute la nuit. Maintenant, cette commission électorale a à peu près cinq jours pour rassembler tous ces résultats, avoir déjà une idée de ce qui sera fait, tenant compte bien sûr du fait qu'il pourra y avoir des réclamations ici et là. Merci Séverin. On vous retrouve certainement dans nos prochaines éditions d'information. Continuez donc de monitorer pour nous les séquences de cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Merci et bonne soirée à toute votre équipe à Abidjan. Retour à bientôt dans ce studio 2 du centre de production La CRTV en balade. Je voudrais sur la question solliciter un mot de Jackson auquel je dis bon. Bonsoir Jackson. Bonsoir Aimé Robert. Alors c'est une élection pour tourner la page, pour conjurer les démons de la guerre. Oui, l'épisode de 2010 a été douloureux, comme tu l'as rappelé. Et il faut absolument conjurer tout cela cette fois-ci. Dommage qu'on n'ait pas pu avoir un plus grand nombre d'inscrits, parce que 6 millions, c'est relativement faible. Un pays de plus de 23 millions d'habitants. Mais au moins, tout se passe dans la paix. Et à part les trois candidats qui se sont retirés en cours de chemin, les autres semblent avoir accepté le processus et je crois qu'on va vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus apaisé que ce qu'on a vécu en 2010. On attend donc d'avoir les chiffres, les résultats de cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire, même s'il ne fait aucun doute que le président sortant Alassane Ouattara est le grand favori de cette élection. Je rappelle à nos téléspectateurs qui peuvent comme toujours participer à ces débats par SMS ou encore sur les réseaux sociaux en postant vos contributions sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Twitter. Je vous propose, messieurs, de regarder la revue de presse. C'est les autres faits marquants de l'actualité de la semaine, compulsés par Lucrèce Medou Djemba, le meilleur de l'info dans le meilleur tabloïd de la place. Plan d'urgence triennal, les chantiers lancés à Douala. Cameroun Tribune en veut pour preuve la descente dans la capitale économique d'une délégation interministérielle à l'effet procéder au lancement technique des travaux de la phase 1.
Cette phase, selon le quotidien de l'économie, concerne la réhabilitation de 6 voiries des différents quartiers et en croire le conseiller technique numéro 2 au ministère du Développement urbain, Chenju Ferouz, les entreprises ont 12 mois pour exécuter les travaux. Le jour qui s'interrogeait lundi sur le taux de réalisation du plan d'urgence a là de quoi moudre, même si selon l'économiste Ariel Nitedem, un plan ne se conçoit pas d'urgence. Quoi qu'il en soit, le plan d'urgence triennal est en marche et le ministre de la Communication apporte des éclairages nécessaires sur le sujet dans les colonnes de Cameroun Tribune. Issa Chiroma Bakari, sous l'imitation, a fait le point sur la question après le conseil ministériel d'il y a une dizaine de jours. Un conseil ministériel où il a également été question de sport. Et à propos de sport, justement, le Cameroun se félicite mutation, est en demi-finale de la CAN Ceci Foot. Il affronte, révèle Cameroun Tribune, le Sénégal, tandis que le Maroc sera aux prises avec le Mali. Et pour le sélectionneur camerounais qui s'exprime dans les colonnes du quotidien Le Jour, le Cameroun a le devoir de gagner ce tournoi. Un type de défi que les Lions indomptables du football n'ont pas pu relever. Cameroun Tribune, mutation et Le Jour le relèvent pour le déplorer. Les pouliches de Enongachu n'iront pas aux Jeux Olympiques 2016. Elles ont été battues par le Zimbabwe, 0-1. Et pourtant, ces Jeux de Rio de Janeiro leur auraient servi de galop d'essai en vue du titre continental à domicile. Et c'est justement cet avenir que les Lions indomptables du football préparent, si l'on en croit leur coach, qui attribue la défaite face au Zimbabwe à l'accumulation des compétitions depuis 3 ans. Mais désormais, leurs regards sont tournés vers la CAN, avec l'espoir, selon le quotidien Le Jour, que les questions liées aux primes seront résolues. Des questions qui ont souvent nécessité l'intervention du président de la République. Du président de la République, mais de celui de Côte d'Ivoire, parlons-en. Les Ivoiriens votent ce dimanche et le quotidien Le Jour constate que le président sortant Alassane Ouattara a face à lui une opposition fissurée. Ce qui fait dire au politologue Mathias Owonangini que le régime Ouattara conserve un atout décisif. C'est l'heure de vérité, soutient Cameroun Tribune pour les candidats, 8 au total pour un fauteuil. En lice, 2 dames. Et jeudi dernier déjà, alors que les candidats n'avaient plus que 48 heures pour convaincre, Conan Bagny accusait la commission électorale indépendante d'être responsable de doublons sur les listes. Une situation que ne connaîtra pas la République centrafricaine où, selon Cameroun Tribune, les élections ont été reportées par le gouvernement de transition et aucun chronogramme n'a été donné au peuple. Au moment où le peuple congolais, lui, est appelé à se prononcer sur un référendum constitutionnel, une consultation à l'origine de violentes manifestations à Brazzaville, mardi. Heureusement, jeudi, le quotidien Mutation observe un calme précaire dans les rues de Brazzaville. Et la France, sortie de sa réserve, appelle justement au calme face à ce que Mutation qualifie de constitution taillée sur mesure. La revue de presse était sur la scène. Place nette à la deuxième une de scène de presse, le Cameroun de plein pied dans la TNT. Le dispositif technique se met en place, le cadre réglementaire est quasiment à jour avec une matrice centrale, la loi du 20 avril 2015 régissant l'activité audiovisuelle au Cameroun. Sur la question, je voudrais introduire le conseiller technique numéro 1 au ministère de la Communication, Félix Ogo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres une fois de plus ce soir. Et alors, en parcourant cette loi, on réalise qu'il va falloir maîtriser de nombreuses notions, de nombreux concepts. J'en ai repris quelques-uns ce soir qui vont compter parmi les concepts clés cette nouvelle donne. Peut-être allez-vous rapidement indiquer à nos téléspectateurs ce qu'il faudra entendre désormais par agrégateur de contenu, par opérateur de multiplex ou encore d'éditeur, qui va recouper une nouvelle acception par rapport à ce que l'on savait jusque-là. Alors, on va commencer peut-être par les éditeurs, puisque vous avez vous-même planté le décor. Un éditeur, c'est une chaîne de télévision, tout simplement. On connaissait les éditeurs en presse écrite. On les connaissait aussi en matière de littérature, mais ils ont toujours existé. Également ailleurs, en radio, en télévision, c'est celui sous la responsabilité de qui une information est produite et mise à la disposition du public. Donc les éditeurs, ce sont
les chaînes de télévision. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Et maintenant, par contre, il y a des concepts un peu plus techniques. Je commencerai par peut-être le moins technique, celui d'agrégateur. C'est celui qui agrège, donc en fait, qui constitue les bouquets de chaînes. Donc il va chercher avec par le biais de contrats, ou en tout cas d'entente avec les éditeurs des chaînes, qui va les chercher, qui les met ensemble et qui se propose de les acheminer vers le public, car devrons-nous toujours le répéter, il n'y a communication que lorsqu'il y a finalement mise à disposition du public d'une information ou d'une manière générale de contenu. Alors maintenant, le multiplexeur. Alors c'est un peu plus technique, mais en fait ce n'est pas plus compliqué aussi que les autres. Le multiplexeur diffuseur est introduit du fait de la de cette migration vers le numérique. Aujourd'hui, on mesure la différence qu'il y a entre l'analogique et le numérique par le fait que, alors que le numérique exigeait jusque-là que chaque programme, disons, chaque chaîne de télévision, pour qu'elle puisse être mise en diffusion en mode RCA notamment, eh bien, elle nécessitait qu'une fréquence entière et dans son intégralité puisse être assignée. Donc, à une chaîne, à chaque chaîne, il fallait une fréquence pour être acheminée. Alors, le multiplexeur, qu'est-ce qu'il fait? Parce que la technologie l'autorise aujourd'hui qu'à partir d'une fréquence qu'on appelle en télévision un canal, eh bien, à partir de cette fréquence, appelons-la ainsi pour que le discours soit plus constant. Donc, à partir d'une même fréquence, d'une seule fréquence, il est désormais possible, grâce à la technologie numérique, d'acheminer des dizaines, voire parfois, tout dépend du mode de compression et du résultat que l'on veut obtenir par la suite, eh bien, parfois même une vingtaine de chaînes. Donc, à partir de là, il faut donc quelqu'un, en fait, un équipement, et derrière cet équipement, celui qui le gère, qui puisse mutualiser l'arrivée de ces chaînes pour les faire passer dans un canal unique. Il y a donc multiplexage, comme vous le faites d'ailleurs en journalisme, c'est-à-dire que vous pouvez, à partir d'une seule antenne, n'est-ce pas, faire valoir l'intervention de plusieurs sites. Et après, naturellement, il faut diffuser. Et l'innovation ici, c'est la diffusion en mode hertzien terrestre. Jusque-là, la diffusion numérique, on la fait toujours par satellite. Ça, c'était déjà connu, c'était faisable, même en MMDS et même en fibre optique. Eh bien, aujourd'hui, l'innovation, c'est qu'on peut aussi, par une diffusion hertzienne terrestre, acheminer des signaux numérisés. On n'aura pas la prétention de dérouler tous ces concepts ce soir. On va progressivement faire connaissance avec ces concepts et ce nouveau monde qui s'ouvre à nous. Bonsoir, professeur Daniel Anissé-Noir. Bonsoir. Vous étiez l'un des intervenants majeurs lors du forum sur le contenu des programmes organisé par la CRTV en semaine. On va y revenir. Mais pourquoi parler de la CRTV? Parce que plus que jamais, la chaîne de télévision publique, qu'on l'appelle CRTV ou autrement, se voit investie de nouvelles responsabilités, voire d'un nouveau statut avec cette nouvelle donne. Oui, merci. Je suis très reconnaissant à la CRTV d'avoir pensé à m'inviter dans cette discussion sur quelque chose qui est vraiment nouveau et qui ne semble pas facilement s'intégrer dans les logiques de la télévision, notamment par rapport aux usagers professionnels de la télévision et par rapport aux usagers, j'allais dire, à la maison, les usagers domestiques. C'est pour cela que je, comme vient de le dire le docteur Zogo, la première chose avec ce qu'on appelle télévision numérique terrestre, c'est de contester le terme chaîne. Parce que le terme chaîne aujourd'hui est démodé. Parce que la chaîne ne permet pas aux professionnels de comprendre que auparavant le mot chaîne veut dire en sciences économiques
où dans le monde industriel, un même acteur qui mène plusieurs activités pour produire un produit. Donc, quand on parlait de chaîne de télévision, par exemple, parlant de la CRTV, à la CRTV, on écrivait des idées d'émissions, on produisait les émissions, on éditait, c'est-à-dire on programmait à l'antenne le matin, le soir, rediffusion stratégique, etc. On programmait les émissions. On diffusait des émissions de télévision en bancolo. Et on négociait avec un marketeur, je citerai pour ne pas faire de publicité, parce que le commun des mortels a besoin qu'on dise Canal+, qui va faire des packs, etc. C'est l'un des mais on pourra citer Africa Free pour ne pas dire qu'on a fait la pub. Donc, le principe du digital capitalisme, c'est le principe de l'accumulation des activités à une étape. Donc, à partir de ce moment-là, il faut apprendre, par exemple, à ne pas dire centre de production de la CRTV en baladeux. C'est une confusion. Parce que, en réalité, quand la CRTV sera producteur, elle sera producteur dans un certain nombre d'activités. Mais l'essentiel auquel les publics auront affaire, c'est la CRTV comme éditeur. Et l'événement, c'est que la CRTV comme éditeur va se démultiplier en 6 éditeurs. Donc un éditeur mère qui pourra, à mon avis d'ailleurs il devra changer de nom, disons que dans un premier temps, on pourra dire CRTV mère, après CRTV jeunesse. Après CRTV cinéma. Alors autant donner suite. Les déclinaisons officielles oui. hein, qui existent aujourd'hui. Oui, il y a la CRTV choix, hein. chaîne généraliste, oui. la CRTV News, CRTV. Qui sont donc la CRTV News, la CRTV régionale, la CRTV sport, la oui. CRTV culture et la CRTV Youth, oui. Chaîne jeunesse. Alors on va terminer ce tour de table avec Bassek Bakouyo que nous avons plaisir d'accueillir pour sa première fois à Saint-Denis. Bonsoir. Alors, je voudrais citer ici un grand homme de télévision, Hervé Bourges, qui dit de l'avènement de la télévision numérique terrestre avec donc l'explosion de l'offre et de la demande qui croit avec que c'est le printemps des producteurs. Mais d'abord, bonsoir, merci de m'avoir invité. Mais je crois qu'effectivement, ça devrait être le printemps des producteurs. Nous parlons là, nous discutons dans le contexte camerounais. Je me méfie de tout ce qui peut être écrit et de tout ce qui va se faire. Parce que quand vous prenez le texte dont parlait tout à l'heure le docteur Zogo, et que je connais très bien, si l'on tient compte de ces textes qui existent au niveau de la production au Cameroun, vous aviez demandé qu'il y ait une licence de producteur. Il n'y a pas 5 sociétés au Cameroun qui l'en ont. Bon, j'ai la chance d'être parmi les 5 qui ont cette licence, qui n'a jamais servi à rien, pour laquelle nous avons des... Donc, tout cela m'inquiète. Et tout à l'heure, lorsque Daniel Anisseno, le professeur Daniel Anisseno, a parlé de la fin de la chaîne, au Cameroun, le président de la CRTV, ça m'étonnerait, il m'étonnerait que nous mettions fin à cette pratique de la chaîne. Parce que c'est dans la chaîne, précisément, que cette espèce de monopole, de vouloir tout faire, et tout cela va se faire. Parce que quand vous allez même en Europe même, ça n'a pas été facile de mettre fin à la chaîne. Jusqu'aujourd'hui, France 2, professeur, continuent à fonctionner comme une chaîne, même s'ils ont été obligés d'externaliser une bonne partie de leur production. Si les choses se passent comme elles devraient se faire, oui, c'est le moment des producteurs. Et c'est pour cela que j'imagine qu'on a invité d'autres personnes à cette réunion. Hein. Mais moi, tous les jeunes qui produisent, que je connais au Cameroun, qui travaillent vraiment, je leur ai demandé s'ils ont été invités à cette réunion. Ils n'y ont pas été. Alors peut-être que vous avez invité des producteurs qui produisent des œuvres ici. Si c'était des très bons producteurs, on le saurait. Parce que moi, je ne vois pas une émission produite de l'extérieur qui est diffusé à la CRTV, qui se coche du monde devant la télévision, n'est-ce pas ? Je peux quand même vous dire que j'ai vu des producteurs alors, à ce point. Oui, mais le problème, c'est producteur et producteur. J'ai dit que ces producteurs, ils vous amènent des productions à la télévision, d'accord ? Mais quelle est cette émission de que les gens attendent en début de semaine en se disant vendredi à télévision qui passe ? Il y a des jeunes qui produisent ici. Moi, je les ai contactés, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas été invités. Mais ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est vrai que s'il n'y a pas de producteurs, ça ne sert à rien de multiplier les canaux. Le professeur, le docteur Zogo parlait tout à l'heure de la multiplication des possibilités d'avoir plusieurs éditeurs sur les mêmes fréquences. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on met dedans
N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être le principal axe de notre débat dans les prochaines minutes. Qu'est-ce qu'on met dans les chaînes? Je voulais quand même préciser une nuance. Parce que j'ai dit, la CRTV, pour prendre cet exemple, sera essentiellement un éditeur. Et j'ai dit que l'activité que l'on entend sous le mot production sera pour un éditeur une activité limitée. C'est-à-dire que, essentiellement, que fait un éditeur par définition? Un éditeur exploite les œuvres d'autrui. Donc, la CRTV devra, par exemple, faire un réglage. Parce que maintenant, il y a une grande illusion. On ne pourra pas continuer la langue de bois et illusionner, par exemple, certains producteurs camerounais qui pensent que quand il amène son produit à la CRTV achète son produit. La CRTV achète l'exploitation de votre produit pendant un certain nombre de diffusions et vous repartez avec votre produit, peut-être pour la proposer à TV5 et à d'autres. Donc, c'était la première illusion. Donc, la CRTV exploite les œuvres d'autrui. La CRTV peut coproduire avec des producteurs. Mais troisièmement, comme producteur, il y a des produits que la CRTV n'est pas habilitée à produire. Par exemple, des grands films, etc. Mais les cinéastes vont aller au ministère de la Culture. Mais il paraît qu'il y a de l'argent là-bas. Enfin, je ne sais pas de quoi je me mêle. Mais il paraît qu'il y a une dotation du chef de l'État, etc. Mais ce que la CRTV peut produire, par exemple CRTV News, ce sont des grands documentaires. Ce sont des grands reportages. Ce sont des... Donc, il faut que cette activité sera limitée. Sinon, on parle des chiffres, 110 milliards, on pense que ça va produire. On va revenir sur la production. Encore que les 110 milliards, il me semble que c'est davantage pour réhabiliter l'outil, l'infrastructure de production. L'outil de production. Jackson Dike, les portes de ce nouveau monde, on va l'appeler ainsi, s'ouvrent à nous. Vous, je sais que c'est un moment que vous attendiez. Oui, c'est un moment qui est attendu parce que effectivement, je suis d'avis avec Hervé Bouge que tu as cité tout à l'heure que ça, c'est le printemps des producteurs à tous les niveaux. En fait, ça devrait être s'il faut. Mais dans la logique, on ne voit pas comment ce serait autrement. Je pense qu'aujourd'hui, tout cela s'accompagne d'une organisation. C'est-à-dire, au moins théoriquement, il y a un arsenal juridique qui comporte quand même toute une organisation qui devrait nous amener à passer un autre cap, si on suit bien. On parlait tout à l'heure de la CRTV. La CRTV ne peut pas être qu'un... En tout cas, la loi lui donne des missions au-delà. Donc, c'est un opérateur audiovisuel public qui peut réaliser quasiment toutes les missions de la TNT. Et je pense que le législateur, en le faisant... Notamment être multiplexeur. Oui, notamment être multiplexeur. Parce qu'on est dans un contexte qui est un peu particulier. Il y a une équation qui est beaucoup, beaucoup plus complexe pour un opérateur public dans un contexte camerounais. Mais je pense que tout va se jouer dans le management quotidien. Parce que la CRTV, c'est forcément une structure qui sera assez lourde, mais qui devra être en concurrence avec des éditeurs privés, parce qu'il y a de l'édition parmi son activité. Voilà. Si on va acheter des contenus après un appel d'offres et tout le reste, il va de soi que la CRTV sera toujours en retrait. Donc je pense qu'il faut voir un peu la situation complexe dans laquelle la CRTV se trouve, mais c'est l'opérateur essentiel de tout le système. Dans un instant, on va rentrer dans le cœur. Je sais que Bassek Bakobio va nous en parler, mais je voudrais rapidement qu'on évacue un point dans ce cadre réglementaire, monsieur le conseiller technique. On parle beaucoup d'un organe de régulation dans cette loi. Cet organe, ça va être le Conseil national de la communication actuel ou c'est un autre organe qui va être créé? Vous savez, si le droit a un mérite, c'est qu'il se dispense de lire dans des boules de cristal. Parce que c'est un exercice extrêmement risqué que de lire dans des boules de cristal. Donc, il faut se limiter à la lettre de la loi et donc du droit. On parle d'un organe de régulation qui a beaucoup d'attributions. Est-ce qu'il sera
Le CNC actuel, est-ce qu'il s'appellera CNC en France, par exemple, pour prendre un pays que nous ignorons, un pays étranger que nous ignorons le moins, que nous connaissons donc le moins mal. En termes de régulation, on a commencé par la commission, je pense, de la haute autorité de l'audiovisuel. Aujourd'hui, nous sommes au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le plus important, c'est qu'il s'agisse des régulations. Peu importe, donc, il me semble que ce soit l'actuel CNC ou pas. Mais encore, là, on peut être plus affirmatif. Quel que soit le nom qu'il portera, il ne sera pas l'actuel CNC. Vous-même, vous venez de le dire. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, eh bien, le cadre normatif, donc législatif pour le moment, puisqu'on est encore en train de préparer les textes d'application, aujourd'hui, a conféré une autre dimension hautement plus importante en termes de régulation. En termes de densité et en termes de nécessité d'expertise. Des nécessités d'expertise, ce qui est une subséquence, en fait, de ce nouveau cadre normatif. Je me suis amusé un tout petit peu, comme ça, à regarder quelles étaient les innovations et les transferts de compétences possibles, enfin pas possibles, effectifs du point de vue de la loi. J'en ai compté plus d'une quinzaine, et pas des moindres. Pas des moindres. Aujourd'hui, au plan financier, vous avez des compétences que le CNC n'avait pas. Par exemple, le fonds spécial de développement de l'audiovisuel qui a été créé, le recouvrement des ressources de ce fonds incombe à l'organe de régulation. Vous avez les offres techniques. Par exemple, je ne pourrais pas être exhaustif pour ne pas embêter nos téléspectateurs là-dessus, mais je prends juste quelques exemples. Toutes les offres techniques et financières des différents multiplexeurs et diffuseurs doivent nécessairement recevoir l'approbation de l'organe de régulation. Ce qui voudrait dire qu'il faut avoir les compétences pour comprendre ce qui est contenu dans une offre technique en matière de multiplexage. Et ça m'étonnerait qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de dispositifs humains et techniques du CNC, cela soit possible. Donc, on est en train d'évoluer du point de vue de la loi, parce que le législateur a voulu qu'il en soit ainsi, vers la mutation de l'organe de régulation aujourd'hui en une véritable structure, une structure à la fois administrative et technique sur le modèle d'une agence de régulation du secteur de la communication. Est-ce qu'on va faire une distinction entre la communication audiovisuelle et les autres domaine de la communication, est-ce qu'on va faire quelque chose qui regroupe l'ensemble de la communication sociale? Eh bien, c'est au décideur qu'il faudra le voir, mais ne serait-ce que du point de vue de l'audiovisuel, puisque nous parlons de l'audiovisuel, nous pensons qu'il faut, de toutes les façons, nous ne pensons pas seulement, l'analyse nous amène à comprendre que, eh bien, il va falloir mettre en place une structure de régulation en son sens plein, avec une véritable personnalité juridique, avec une autonomie financière et avec des structures à la fois techniques et administratives qui permettent de prendre en charge l'ensemble de ces compétences. On attend de voir, oui. Comment allez-vous faire, parce que vraiment, nous inventons la charrue ici, comment allez-vous faire pour qu'une structure qui est chargée de la régulation s'occupe aussi d'un fonds de développement de l'audiovisuel? Elle ne s'occupe pas du fonds de développement. Elle assure, et c'est des modèles que nous n'inventons pas, cher grand frère, ce n'est pas des modèles que nous sur lesquels nous innovons. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le domaine des télécommunications, le recouvrement des ressources qui sont affectées au fonds spécial de développement des télécommunications est assuré par l'agence de régulation. Vous pensez que c'est un succès du côté des télécommunications? C'est une question purement... C'est une question purement technique. C'est-à-dire que, vous savez, dans l'administration, pour pouvoir recouvrer les fonds, il faut avoir une régie des recettes. Vous ne pouvez pas aller chercher les fonds, n'est-ce pas, si vous n'avez pas une régie de recettes. Alors, c'est une mutation technique. Merci. Et il n'y a d'ailleurs pas que ces fonds-là. Merci, qu'il y a également la redevance, annuelle qui est collectée par l'agence. C'est entendu, on aura l'occasion de revenir sur les missions de l'agence, de l'organe de régulation. Qui sont définies par la loi. On aura l'occasion de les populariser. Voilà. Et on verra comment est-ce que ça va s'appeler. Elles ne sont pas à venir, Aimé Roubaix. Non, la mise en place de l'organe est à venir.
Mais on va en discuter, mais ça marchera. C'est de la prophétie. Moi, je ne fais pas de la prophétie. Mais surtout quand c'est une prophétie en plus. C'est pas une prophétie. Une prophétie en plus apocalyptique. En disant que nous connaissons un peu le cas de la France. Dans le cas de la France, il y a un organe de la régulation, il y a un organe qui soutient, c'est le CNC. Mais non. Voilà, et donc qui prend l'argent, qui le met à la disposition, un même organe, qui régule et qui s'occupe de la promotion, du soutien d'un secteur comme le télévision. Alors, messieurs, on va, ce sera une autre fois parce qu'évidemment, il faut que nous parlions des contenus. Tout à fait. Vous convenez avec moi? Absolument. D'accord. Voilà. Mais je vous propose d'abord de replonger dans l'atmosphère de ce forum national sur le contenu des programmes de la télévision numérique terrestre organisé donc par la CIA dans la semaine au Palais des Sports à Yaoundé. Un véritable brainstorming des gens d'ici et d'ailleurs. Pour satisfaire un public de plus en plus exigeant, en tout cas pour entrer de plein pied dans cette télévision de nos rêves. Zooming sur l'actu, Mathieu Nwendenge. Alors j'espère qu'on va avoir ce sujet de Manuel Ndenge qui nous replonge dans l'atmosphère de ce forum national sur le contenu des programmes de la CIAR TV. Pendant 3 jours, des experts d'horizons divers ont donc planché, notamment sur l'offre des programmes que devrait proposer la CIAR TV pour alimenter notamment ces 6 chaînes, la chaîne CIAR TV généraliste, mais aussi CIAR TV News, la chaîne d'information en continu, la CIAR TV régionale, la chaîne dédiée aux régions, et qui devra donc s'employer à dévoiler ses richesses. CIAR TV Sport, la chaîne consacrée au sport, au divertissement et aux loisirs, la CIAR TV Culture, qui est donc la chaîne axée sur la culture, et enfin CIAR TV Youth, la chaîne jeunesse. Alors, Martin Nwendenge, si ce sujet est prêt. Manifestement, on va passer à autre chose. Peut-être. Oui, juste, si vous me permettez, Robert, juste vraiment en une minute, une seconde peut-être même, pour dire que, pour apporter beaucoup, encore plus de précision, il y en a déjà sur la question des éditeurs et des chaînes. Je pense que pour simplifier, parce que votre plateau a l'avantage d'être très relevé, mais il a l'inconvénient de ses avantages. Donc, à force d'expliquer trop techniquement, peut-être que ceux qui nous écoutent ne comprendraient pas. Je crois qu'on peut simplement dire que jusqu'à présent, en analogique, on avait une chaîne, un programme. L'éditeur intervient parce que cette chaîne qui devient donc éditeur peut éditer plusieurs chaînes. Exemple donc, vous avez aujourd'hui la CIAR TV qui se propose d'avoir 6 chaînes. Alors que jusqu'à présent, on savait que la chaîne, c'était la CIAR TV. Et d'ailleurs, d'autres chaînes, je ne voudrais pas évoquer ici d'autres chaînes, d'autres éditeurs concurrents, mais il y a des éditeurs nationaux. On peut les évoquer puisqu'on va les voir. Prenons donc Canal 2 International, qui aujourd'hui édite 2 ou 3 chaînes, je pense 3 d'ailleurs. Vous prenez également STV, qui édite 2 chaînes. Donc, je pense que la différence est là, ce qu'a expliqué le professeur Noa tout à l'heure. Nous avons un éditeur qui peut certes avoir une seule chaîne, mais qui aujourd'hui, grâce au numérique, peut également produire 2 à 3, voire peut-être même. Alors, l'enjeu devient donc plus que jamais les contenus, l'enjeu des contenus, Barsek Bakubio. Hervé Bouge, encore lui, il dit plus que jamais, il faut faire preuve d'imagination. Parce que, autant pour la CIAR TV que pour toutes les autres chaînes, l'offre explose. Comment retenir le téléspectateur? Il faut lui proposer un contenu captivant. Et là, vous voyez, prendre ma première préoccupation. Parce que depuis que j'entends parler de cette histoire, tous les officiels nous parlent d'un chiffre de 110 milliards. Pour la réhabilitation, vous dites technique. C'est au plan technique. Personne ne nous a dit combien il y aurait pour soutien à la production. C'est-à-dire que nous commençons à construire l'autoroute, je suis tout à fait d'accord. Mais personne ne sait ce qu'on va consacrer aux véhicules qui vont rouler sur cette autoroute. Et au point que nous pourrions terminer l'autoroute demain, puisqu'on m'a dit que c'est 18 mois. Non, 2 ans. Deux ans, je ne sais pas. 24 mois. Dans 24 mois, si on veut de bonnes productions dans 24 mois, il faut commencer à les préparer aujourd'hui. On est tout à fait d'accord. Alors moi, j'ai peur que l'on s'engage dans des grosses histoires de fabrication de cette autoroute-là sans qu'on ait pensé aux produits qu'on va donner
n'est-ce pas, à consommer aux Camerounais. Et c'est pour cela que je souhaiterais que très rapidement on puisse nous dire ce qui est fait, comment ça va être fait, comment cet argent va être dégagé. Si on n'a pas 12 mois avant le lancement de la TNT, un budget précis de soutien à la production audiovisuelle, c'est des histoires, ça ne servira absolument à rien. Mais c'est cela le problème, Bassek. C'est le problème que je soulève. Alors, un soutien à la production, c'est la mission de la CRTV? Ou c'est la mission du ministère de la Culture? Ou bien en France, du Conseil national du cinéma, etc. Ce sont des missions précises. Parce que si maintenant la CRTV ne précise pas en quoi elle est dans le couloir de la production, ça sera la confusion totale. Parce qu'on va, dire, il n'y a pas de film, c'est la CRTV. Il n'y a pas de documentaire, c'est la CRTV. Il n'y a pas telle chose, c'est la faute à Voltaire. Il y a telle chose, c'est la faute à Rousseau, etc. Il faut expliquer aux gens d'où vient l'argent des films. Je réponds tout. Il faut expliquer aux gens d'où vient l'argent des documentaires, d'où vient l'argent des grands reportages. Parce que si on dit on va faire la télévision, moi j'ai dit la première mission de la CRTV, c'est de se positionner comme éditeur. Un éditeur, même dans le livre, il ouvre une collection, ce qu'on appelle wish list. Il dit j'aimerais avoir des romans, je sais pas, sur la femme, sur telle ou telle chose. Mais maintenant, c'est aux gens qui créent, qui écrivent, qui produisent, de lui apporter cela. Oui, donc, c'est ça le problème. Ce n'est pas que je refuse que les producteurs, que ce soit le printemps des producteurs. Oui, mais les saisons ont des pays. C'est-à-dire que le printemps des producteurs, là, son pays n'est pas d'abord la CRTV. La structure de production au Cameroun. N'ayons pas peur de donner la responsabilité. Le ministère de la Culture, pourquoi vous ne voulez pas un ensemble de soutien à la production, etc. Ce sont d'autres missions. Moi, j'insiste beaucoup sur l'organisation de tout le secteur, parce qu'il faut absolument créer un modèle économique du secteur de l'audiovisuel. Il y a un fonds de soutien à l'audiovisuel qui est prévu. Il y a le marché. C'est à la CRTV ? Non. Le fonds va soutenir la production. Le fonds est destiné à soutenir la production de manière directe. Mais après, les éditeurs eux-mêmes, parce qu'ils auront des programmes attractifs, ils auront des tuyaux pour acheminer ces programmes-là facilement à des téléspectateurs, recevront en retour de l'argent de la publicité qui doit permettre de financer le secteur. Donc il faut organiser tout le secteur de l'audiovisuel et au-delà. Parce que si on ne crée pas un véritable modèle économique qui gagne de l'argent, parce qu'aujourd'hui, l'audiovisuel gagne de l'argent, c'est la télévision qui a tiré Hollywood, c'est la télévision qui a tiré Hollywood, c'est la télévision qui tire Bollywood, et c'est la télévision qui va tirer Hollywood qu'on voudrait peut-être créer demain. Donc, il faut une organisation de tout le secteur. Si on n'organise qu'un segment et on laisse les autres, on ne peut pas s'en sortir. Oui, excusez-moi. Il y a des choses qui ont été pensées ailleurs, qui ont été mises en place. On peut amender, on peut ne pas être d'accord, mais c'est cela qui se passe. Et je prétends, moi, qu'on ne peut pas commencer à parler, même déjà au niveau de la CRTV. Je ne pense pas que la CRTV, elle va gérer cette histoire de soutien à la production. D'ailleurs, les 6 chaînes, je n'y crois pas trop. Je ne crois pas que ce mammouth-là pourra être mis en place, n'est-ce pas, de manière efficiente, de manière à pouvoir toucher un public. Aujourd'hui, avec une seule chaîne, la CRTV a des difficultés à toucher le gros public. Donc moi, je dis, j'applaudis de toutes mains, je dis c'est une bonne initiative. C'est peu dire. Oui, 6 chaînes, c'est quand même lourd. Hein. C'est lourd. Et donc, je dis, c'est cela. Alors, lorsque je parle je dis qu'il faut dès aujourd'hui, 24 mois, ce n'est rien, mettre en place ce soutien à la production. Quand Daniel Nisson me parle de la CRTV, je ne parle pas de la CRTV. Vous parlez du ministère de la Culture. Dans aucun pays au monde, le ministère de la Culture ne soutient le cinéma, en produisant le cinéma. Le budget du ministère de la Culture du Cameroun, c'est 3 films long métrage, maximum. Alors, ce n'est pas cela qui va soutenir. Il faut donc un organisme. Ça me gêne de parler de la France, parce que on va dire que nous restons dans cette logique coloniale, mais comme nous la connaissons un peu. Je prends le cas de la France. Il y a, que ce soit l'audiovisuel, la télévision, que ce soit le cinéma, que ce soit Internet, on a confié à ce qui était avant le Centre national de la cinématographie, qui est devenu Centre national de la cinématographie et de l'image, n'est-ce pas, y compris Internet, le soutien financier.
Il y a un organe de régulation, la haute autorité dont nous avons parlé tout à l'heure, et puis il y a donc ces chaînes qui diffusent. Mais je dis simplement, ce qui m'inquiète, c'est pas l'argent du Centre national de. Non, c'est de l'argent public. Non, dans le cas du Cameroun, il n'y a que deux possibilités de financement. L'argent public existe, mais ça reste marginal. Et la France n'est pas aujourd'hui le modèle. Je suis d'accord avec vous, mais je parle de cela parce que. Le financement public aujourd'hui, en France, il est très développé. Tous les secteurs, et on voit ce que ça cause. On voit le problème des intermittents et tout le reste qui n'existe pas ailleurs. Il faut créer un modèle économique qui puisse se financer sur la base de ce qui est créé avec la publicité et tout le reste. Si on parle de modèle économique, on n'est créé pas 24 chaînes. Il ne faut pas confondre la capacité installée. Encore qu'aujourd'hui au Cameroun, il existe combien de chaînes de télévision. Audiovisuel public qui peut driver cela en recevant peut-être un peu plus de financement public parce que lui, il aura des missions qui sont des missions de service public qui seront différentes des missions général, que les autres acteurs privés auront. Alors, peut-être une précision à l'endroit de Bassek Bakoubé. Il faut déjà dire que la CRTV, dans son fonctionnement annuel, il y a déjà une allocation budgétaire dédiée à la production avec l'acquisition d'un certain nombre de programmes réalisé, produit par des producteurs nationaux. Je suis un produit qui n'a jamais été acheté à la CRTV. Ne brisez pas quand même l'élan, la belle dynamique qui est en cours actuellement à la CRTV avec la création de ces 6 chaînes. Je dois vous dire que le personnel est extrêmement motivé, les uns les autres travaillent quasiment nuit et jour pour que ces chaînes puissent effectivement être à l'antenne dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Alors, Félix Ogo, tout de même, il pose des préoccupations pertinentes sur le financement de la production locale. Surtout que la loi revient là-dessus sur ces quotas de 70% de production locale, 30% de production extérieure. Longtemps, les chaînes de télévision et les chaînes de radio ont souvent joué à cache-cache. En faisant parfois du fourre-tout parce qu'il fallait alimenter l'antenne. Maintenant, si on doit tenir ces quotas, effectivement, il faut trouver les mécanismes pour encourager la production locale. Je voudrais que, avec votre permission, qu'on relève d'abord un préalable. Il ne faudrait pas faire comme si les contenus télévisuels, d'une manière générale audiovisuelle, mais puisque nous parlons de la télévision télévisuelle, ne sont faits que le cinéma. De tout temps, nous savons que il y a deux grandes catégories en matière de contenu. Il y a ce qu'on appelle les programmes de flux, qui sont de la responsabilité incompressible de la chaîne. C'est-à-dire, ça, ce sont des programmes. Quand vous faites CRTV News, la chaîne d'information. Oui, voilà, ce sont des programmes de flux. Ouais. Ça, c'est des programmes de flux. Maintenant, la question, je pense, qui se pose concerne davantage ce qu'on appelle les programmes de stock. Et en matière de programmes de stock, quand vous trouvez une variété à l'intérieur, une diversité de programmes de stock. La fiction télévisuelle que constitue le cinéma n'en est qu'une sous-catégorie. Il y a des chaînes qui ne vous diffusent aucun film. Le corollaire de la télévision numérique, c'est sa thématisation, c'est-à-dire sa spécialisation. Aujourd'hui, la grille de la CRTV, de la télévision généraliste, elle étouffe. Pourquoi ? Parce que effectivement, c'est un fourre-tout. Grâce au numérique, eh bien, on va avoir une possibilité de laisser respirer la chaîne généraliste et envoyer les thèmes qui sont des thèmes spéciaux vers d'autres chaînes. Alors, une fois qu'on a levé ce préalable, la question maintenant, effectivement, c'est de savoir d'abord que il ne faudrait pas faire une obsession focalisante sur la CRTV. La CRTV, c'est un opérateur public, certes, mais ce n'est pas le seul opérateur. La question aujourd'hui, c'est que, et vous l'avez soulevé la problématique, si nous voulons remplir nos grilles de programmes 24 sur 24 de n'importe quel programme, mais écoutez, cela ne posera aucun problème à personne. On fait appel aux productions étrangères. Mais vous avez posé le problème, n'est-ce pas, de saisir l'occasion, l'opportunité de cette extraordinaire, développement, donc croissance de l'offre télévisuelle pour faire valoir notre production nationale. Comment le faire? Eh bien, le nœud, d'abord, les professionnels sont là. Mon grand frère Basset qui est là,
Il était modeste tout à l'heure de dire que, bon, mais tout le monde sait qu'en matière de production audiovisuelle au Cameroun, s'il y a un nom ou deux qu'il faut prononcer, c'est celui de M. Bassé. Donc, les professionnels, nous en avons. Là où le bât blesse, la question qui fâche et qui inquiète, c'est la ressource financière pour le faire. Comment trouver donc cette ressource financière pour le faire? Le législateur a déjà donné une première réponse. Il y a un fonds de développement de l'audiovisuel qui est créé. Les ressources sont clairement identifiées. C'est-à-dire que le dividende numérique aujourd'hui va être mis à contribution au moins aux deux tiers pour le dividende numérique, pour qu'on le comprenne. C'est simplement que la libération des fréquences du fait de la numérisation va profiter aux opérateurs de la téléphonie cellulaire. Et ces gens de la téléphonie cellulaire vont payer la contrepartie de la libération de ces fréquences. C'est ce qu'on appelle le dividende numérique. Et 80% de ce dividende numérique va aller vers ce fonds de soutien. Donc, à l'audiovisuel. Donc, en termes de ressources, il y aura... Et ce n'est pas la seule ressource qui va exister. Maintenant, d'autres industries de contenu, c'est-à-dire qui viennent alimenter les prix de stock, comme le cinéma, comme... le spectacle vivant. Vous avez parlé d'une chaîne sportive. C'est le spectacle vivant, c'est-à-dire les rencontres sportives, le côté culturel, spectacle vivant encore, manifestation culturelle à l'antenne qui vient alimenter cela. Il faut trouver, et je voudrais terminer là-dessus, vraiment avec votre permission. C'est pour cela que je rejoins Jackson là-dessus. La question, c'est un modèle économique. Comment un modèle économique peut être un modèle économique intégrateur, c'est-à-dire qui tienne compte de la diversité, n'est-ce pas, des contraintes liées à ces différents contenus pourra être mise en place. Alors justement, pendant le forum de la CRTV dernière année, on a beaucoup parlé du Cameroun Way of Life, parce que la télévision au Cameroun doit également être le véhicule de ce Cameroun Way of Life pour que nous ne soyons plus acculturés, nos télévisions ne soient plus inondées de télé-novelas importées qui nous imposent d'autres schèmes culturels. Ça aussi, c'est l'enjeu. Oui, mais c'est un enjeu de création. Ça concerne les créateurs. C'est ce que nous appelons dans les sciences de la création la représentation. C'est-à-dire, quand il crée, il veut représenter quoi dans la vie des Camerounais, etc. Moi, je pense que cet enjeu de création, pour moi, est dépendant de l'existence de l'éditeur. Mais on peut créer ce qu'on veut. Mais quand on crée, il faut que l'idée entre dans une compétition de qualité. C'est-à-dire, quand vous produisez, on peut bien produire une émission sur les traditions, je sais pas, du peuple Tika, mais le problème, c'est que quand il y a 140 télévisions dehors, il faut que la bonne idée d'un documentaire sur les Tika rencontre les canons ultra-modernes de compétition de la télévision. Je voulais quand même, je tenais quand même à décrire ce qu'on appelle un éditeur en télévision pour décrire la faisabilité des six chaînes camerounaises. La loi Des six chaînes de la CRTV. La loi n'impose pas une journée télévisuelle, par exemple, de 24 heures quand on crée une chaîne. Parce qu'on peut être dans une situation transitoire. On ne va pas commencer avec six chaînes qui émettent toutes en H24. Je veux dire, je prenais l'exemple quand j'ai fait mon exposé. La CRTV a été créée, je crois, en 84. Hein, et la CRTV n'a accompli H24 à l'avènement de M. Vamulke comme directeur général. Alors, on était à H6. La première émission de Hello, Bonjour, le matin, aussi loin que je me souvienne. Bon, mais ma mémoire peut me trahir. Donc, mais même s'il avait commencé un peu avant, disons un peu avant, c'est comme un peu après, par rapport au fait que ce n'est pas très tôt hein, que la CRTV que nous regardons a émis H24. Tout à fait. Donc, je veux dire, on peut commencer H6, regardez pour ne pas citer les noms. Regardez pour nos téléspectateurs. H24 veut dire 24 heures sur 24. Donc, H2, ça veut dire 2 heures. 2 heures. Donc, pour vous résumer, ça ne veut pas dire que toutes les 6 chaînes de la CRTV, qu'on va les lancer demain lundi, qu'elles vont toutes émettre 24 heures sur 24. Et là, nous avons donc des compétences.
l'acquisition, ce qu'on appelle des chaînes en marketing, la gamme ou bien l'extension, c'est-à-dire que pendant ce que fait TF1 et ses trois partenaires, pendant une certaine partie de la journée, on peut relayer la chaîne mère. Même canal. Et par ailleurs, on a des chaînes qu'on appelle des chaînes de service qui permettent de faire la publicité donc il y a une faisabilité. Quand je parle de fonds de soutien à la production, je ne parle pas de la fiction. Hein. Je dis les documentaires, les reportages. Il n'y a pas une émission que vous voyez sur les chaînes françaises aujourd'hui où il n'y ait pas le CNC. Les émissions pour enfants. Tout cela, le CNC le soutient. Même les émissions de jeux. C'est pour ça que je le dis. Donc je ne parle pas de la fiction. Je dis ce fonds de la production devra soutenir même les documentaires. Mais je vous assure, si 24 mois avant la réhabilitation, n'est-ce pas, de réseau public, là, il n'y a pas des émissions qui commencent à être mises en boîte, et bien les six chaînes, elles n'auront rien à se mettre sur la table. Mais c'est de la responsabilité des éditeurs. Hein. Parce que c'est ce que la CRTV a fait. Vous permettez que cet élément que nous attendions est enfin disponible. On va donc pouvoir replonger dans cette atmosphère de brainstorming sur le forum sur le contenu des programmes de la télévision numérique terrestre. C'est un sujet de Martine Nwendengue. Experts de tous bords et professionnels de la Cameroon Radio Television, ensemble pour écrire la nouvelle page de l'histoire de la télévision au Cameroun. Cela s'est fait en trois jours de travaux intenses au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, le site choisi pour abriter le tout premier forum national sur le contenu des programmes de la nouvelle antenne CRTV, celle qui se décline désormais en six chaînes. Définir les contenus de manière que nous puissions intéresser les Camerounaises et les Camerounais à ce que nous leur proposons et que cela puisse de toutes les façons faire contrepoids à ce qu'on appelait dans les années 80 l'agression informative du reste du monde sur la nation camerounaise. Échanges, débats et même confrontations étaient de mise dans les différents ateliers, 8 au total, afin que jaillissent les idées pour étoffer les contenus de ces chaînes. Et les idées, l'on en a reçu en masse. Le public, invité privilégié de ces assises, a donné sa vision de la nouvelle CRTV. Quand on parle télévision, c'est la masse qui regarde la télévision. Ils sont donc des chanteurs, nous sommes des danseurs. Nous devons donc leur proposer qu'est-ce que le petit peuple peut apprécier. Le thème dominant reste celui de la citoyenneté, de la promotion des valeurs républicaines. Il semble qu'il y ait chez les Camerounais un besoin de se réconcilier avec leur pays, avec ses valeurs. Tout le monde semble dénoncer l'inertie, l'attentisme, le manque de civisme que l'on retrouve dans tous les secteurs de la vie. Jusque-là, la plupart des propositions, que ce soit des documentaires, des magazines, des plateaux ou des fictions, tendent à accompagner cet élan-là. La CRTV de l'RTNT répondra aux quatre missions classiques assignées à toute chaîne télévisuelle, comme l'a rappelé le président du forum, le professeur Jacques Famdongo. L'information, l'éducation, le divertissement et la reliance sociale se verront à travers les chaînes CRTV généralistes d'infos continues, régionales, sport, culture et jeunesse. La télévision de demain se fera. Tout le problème est le d'appropriation de la culture numérique. La télévision, ce ne sont pas seulement les idées qu'on émet pour produire une émission. Les idées, c'est 2%. Entre l'idée d'émission et la production d'une émission, il y a comme de la table à la bouche quand la nourriture est posée là. Pour la simple raison que les productions ne sont pas spontanées. La CRTV de demain se fera également avec des nouveaux produits et autres services proposés aux téléspectateurs adeptes des nouvelles technologies. Cette question était également au centre des débats au forum. La question est vraiment effectivement de savoir quel contenu pour quel support
et comment il se met à disposition, qu'est-ce que cela signifie, les problématiques que ça soulève. Rien n'est jamais facile, hein, d'où justement la session de travail, justement pour éclaircir les zones d'ombre. Donc je pense tout à fait qu'avec déjà l'initiative de prendre la contribution de personnes extérieures à la CRTV, on est déjà une excellente. Cela permet déjà de montrer que la CRTV a une ouverture d'esprit qui permet la contribution de tierces professionnelles dans les domaines qui lui sont peut-être un peu plus étrangers. Le Forum national sur le contenu des programmes de la CRTV, il fallait y penser pour concevoir des contenus à proposer à des téléspectateurs de plus en plus exigeants, critiques et soumis aux sollicitations des multiples chaînes à travers le monde. La CRTV doit être de plus en plus compétitive, attractive, séduisante pour pérenniser et fidéliser ses téléspectateurs, mais aussi pour, le cas échéant, prendre les téléspectateurs des autres chaînes. C'est ça le marché du savoir. Et je crois que les professionnels sont bien armés et nous sommes persuadés que les choses se passeront très bien. La CRTV peut compter sur le gouvernement pour l'accompagner dans la construction de ces 6 chaînes. En matière d'équipement, ne vous en faites pas. Nous avons déjà un partenaire. Le chef de la nation a mis suffisamment de moyens. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Chaque fois que vous sentirez le besoin d'un équipement, rassurez-vous que vous trouverez ce dont vous aurez besoin pour vous acquitter de votre mission avec maestria. À voir ces mines, on peut déduire que les 3 jours de travaux ont porté des fruits. Reste plus maintenant qu'à passer de la réflexion à l'action, de la théorie à la pratique, du concept à la matière, dit le président du forum. La télévision du futur, c'est maintenant. Bassek Bakoubio, je voudrais quand même vous entendre sur ce Cameroon Way of Life qui doit être véhiculé par nos chaînes de télévision, pas seulement la CRTV, par les chaînes de télévision au Cameroun. Surtout qu'aujourd'hui, la loi insiste sur ce quota qu'il va falloir respecter. J'imagine que l'organe de régulation va y venir. Alors, mais le problème de tout ce dont nous discutons, il faut être conscient d'une chose. Ce n'est pas un décret faire consommer les produits camerounais ou camerounais. Ce n'est pas un décret, ce n'est pas une loi. C'est la rencontre entre des produits qui vont être proposés et les attentes d'un public. Et le public aujourd'hui, il est très large, il est très vaste. Je ne suis même pas sûr que tous ceux qui étaient au forum savent ce qu'est aujourd'hui la société camerounaise. Ces jeunes-là qui attendent autre chose. Est-ce que nous allons faire une télévision pour nous faire plaisir à nous ou bien nous allons donner une télévision qui aille vers ce public? Vous avez le cas au Cameroun aujourd'hui. Quand on vous dit qu'on a fait des études, et que certaines chaînes privées, par exemple, caracoleraient en tête au niveau du public, de l'audience, c'est peut-être parce qu'elles vont vers une certaine attente de certains publics. C'est pour ça que le Way of Life, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on dise un Way of Life, qu'on essaie de dresser des canons, tout cela. Il y aura une multiplicité de programmes, il y aura des programmes qui seront attractifs, qu'on devra encourager, il y a d'autres qui vont passer à la trappe, mais je ne crois pas qu'on puisse s'asseoir au départ et penser comme cela, même dans le domaine du cinéma, on l'a fait. On a pensé que le public veut ceci et cela. Quand on a fait ça, ça n'a pas marché. Donc moi, je crois qu'on peut donner quelques critères, dire aux gens, on souhaiterait qu'il y ait assez de places camerounaises dedans. Mais si les Camerounais produisent, et si on ne va pas nous prendre des produits en Chine, parce que moi, tous ces raccords là dehors, n'est-ce pas? Si les Camerounais produisent, on est sûr que le Way of Life camerounais va y être. Mais si on nous amène des produits chinois, n'est-ce pas? Évidemment, le Way of Life camerounais n'y sera pas. Et donc, oui, le problème, c'est de donner aux Camerounais à faire et attendre la réponse du public. Je vais un peu nuancer quand même les propos de Bassek. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer la place de la diffusion dans ce processus. C'est-à-dire, il y a une nouveauté qui est effectivement l'ouverture de ces canaux. Il y a une facilitation de l'accès des programmes aux ménages. C'est une donnée qu'on ne peut pas négliger. C'est-à-dire, ça va inverser le rapport. Parce que les grands groupes que je connais bien insistent beaucoup et trouvent tous les moyens de mettre à disposition leur contenu. Ça change véritablement la donne. C'est quoi, vous allez voir des chaînes aujourd'hui. Quand vous voyez une radio comme RFI, vous avez votre voiture, vous conduisez, vous pouvez recevoir RFI en réception directe par satellite. Ils ne sont pas cons. Vous savez, vous avez RFI dans tout le Cameroun.
Alors que quand j'écoute la radio du Cameroun, c'est à certaines parties de l'axe d'où je ne l'ai pas. Et ça fait que RFI va rester une chaîne qu'on va considérer comme demandée par les Camerounais. Pourtant, parce qu'elle est présente. Donc cette nouvelle donne doit effectivement s'accompagner d'une production de programmes voulus par les Camerounais. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, la réflexion doit se mener à deux niveaux. Il y a la quincaillerie, comme on dit, je sais que souvent, elle est très importante. Alors justement, et derrière, oui, elle permet que... Oui, alors justement, sur la diffusion, sur la disponibilité du signal, longtemps la CRTV a parti de cela. Parfois, même on a parlé de complot contre la CRTV, parce qu'on s'est retrouvé, par exemple, dans des hôtels... de classe internationale à Yaoundé, au cœur de la capitale, où il n'y a pas le signal de la CRTV. Sur les dernières années, la CRTV a fait un effort important pour rendre son signal disponible. Et ça s'est traduit par une amélioration nette de l'audience. C'est corrélé. Mais nous disons pas le contraire. Moi, j'évacue le côté technique parce que je crois que ça, c'est résolu. On nous donne les chiffres, on nous dit il y a 110 milliards. Avec 110 milliards... Alors, reparlons du contenu. La CRTV a un défi important à relever, rester compétitif en conciliant la double exigence et de ses publics et de son propriétaire. Oui, moi je crois que c'est possible. Ce sont des options. Par rapport à l'éditeur, ce que j'ai appelé la wish list, qu'est-ce qu'on veut encourager, qu'est-ce qu'on veut appeler, par exemple. Lorsque nous faisons le benchmarking, c'est-à-dire des films nigérians, bon, on les cite tout le temps, bon, ça leur fait la pub gratuite, mais disons, on voit Nollywood, on voit que en termes de way of life, ils ont une option au niveau du scénario et de l'intrigue, par exemple. Ils ont une option au niveau des décors. Tous ceux qui regardent ces films voient que c'est une option pour une vie bourgeoise, luxueuse, etc. Dans tous les films, c'est-à-dire qu'ils ont choisi des villas cossues. Quand vous regardez les films, ils ont choisi des personnes habillées en vêtements de luxe, etc. Apparemment, c'est les mêmes villas, c'est les mêmes salons en cuir, etc. Nous parlons de Nollywood, la chaîne, ou de Nollywood, le cinéma nigérien. Le cinéma nigérien, est beaucoup plus divers que cela. C'est la chaîne Nollywood qui ne nous donne à voir que des films qui se font en ville et qui sont des villas luxueuses. Mais la production nigériane est beaucoup plus vaste. Les films sur la tradition au Nigeria sont énormes. Les films sur la sorcellerie sont nombreux. Okay. Et tout cela. Donc, quand nous parlons de la compétition, je veux dire, c'est la télévision reçue au Cameroun. Je veux dire que, sauf à être critique de cinéma, mais je veux dire, ce avec quoi le cinéma nigérian entre en compétition pour gagner des parts de marché. Au Cameroun, par exemple, ce sont des films où tout est luxueux. Hein, quand vous voyez les voitures, l'habillement, tous les décors. Donc, c'est une option et je crois que ça marche. Donc, je voudrais juste dire qu'en matière de contenu, on peut choisir comme ça un motto de combat et se battre là-dessus. Mais encore une fois, c'est un problème qui revient au créateur. Parce qu'on ne peut pas décrypter, comme il dit. Bakoubio, ça va être votre dernier mot sur la question. Je vais reprendre une interrogation rhétorique du chef de l'État que j'aime beaucoup, hein, appliquée à d'autres domaines. Mais dans le champ actuel, que nous manque-t-il pour que notre production soit compétitive? Pourquoi raffolons-nous aujourd'hui des films nigériens alors qu'il y a quelques années, on s'alignait tous pour aller regarder Sango Malo ou le grand blanc de Lambariné, oui. Et autres. Non, mais ce serait trop long pour répondre ici, parce que d'abord, il faut savoir qu'au Nigeria, il y a un public d'au moins 175 millions d'habitants qui est déjà un public potentiel qui fait vivre, n'est-ce pas, un domaine comme celui-là. Auquel se grève le public camerounais. Oui, mais le public camerounais, alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pendant longtemps, nous avions la CRTV, on n'avait pas d'autre. Et que venir passer un film à la CRTV, c'était venir demander de l'aumône. Venir, n'est-ce pas, on ne vous passait pas votre film. Allez, moi, j'ai eu un programme ici, à la CRTV, qui était écran Beaufort, je ne vais pas citer la bière, mais c'était écran, j'ai donné des films, mais des films qu'on se permettait de passer à 23h alors que la convention disait 21h. Ça, c'est autre chose. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent. Il y a des films qui se font avec des budgets
très faible. J'ai parlé tout à l'heure de 3 milliards pour 3 films, mais ça c'est pour un certain type de film. Les films que les gens veulent consommer ici, c'est beaucoup, beaucoup moins cher que cela. Il y a aujourd'hui des jeunes qui travaillent. Donner à des jeunes de l'argent pour faire des films, des Camerounais pour faire des films, il y aura ce way of life camerounais. Ça c'est sûr. C'est tout le point. Et c'est moi ce qui me désole, c'est simplement qu'on parle de la technique. On nous dit qu'il y a l'argent pour la technique et personne ne parle encore de ce qui est mis à la disposition du contenu, de la création. Et je vous dis, 24 mois pour préparer une chaîne, c'est trop faible. D'habitude, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, quand on prépare une chaîne de télévision, les programmes commencent à se mettre en boîte 3 ans ou 4 ans avant. D'accord, c'est entendu. Félix Ogo, pour conclure, c'est un nouveau monde. Finalement, il faut y aller sans prétention quand même à la fin, mais sereinement. Oui, je pense qu'il faut y aller sereinement et puis il faut positiver. Nous sommes partis, moi j'appelle ça, ou nous appelons ça aujourd'hui, peut-être la télévision camerounaise de troisième ou de quatrième génération aujourd'hui. Les problématiques auxquelles nous devons faire face sont des problématiques liées à la mutation technologique. N'oublions pas que la question des programmes aujourd'hui gagne en acuité du point de vue de la position de cette problématique. Parce qu'il y a des possibilités étendues de diffusion. S'il n'y avait pas eu de possibilités étendues de diffusion, on aurait le problème inverse. Tout à l'heure, vous nous disiez, un peu off the record, les problèmes, et nous les connaissons très bien, que vous avez à caser, n'est-ce pas, les programmes qui sont disponibles sur une antenne unique. Nous avons aujourd'hui la technologie qui nous permet d'avoir une problématique à l'autre bout. Cela veut dire des espaces extensibles, je ne vais pas dire à l'infini, mais presque à l'infini, et on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. L'un des avantages, c'est quoi? C'est que nous avons des chaînes qui sont des chaînes généralistes. Donc il va y avoir un délestage des antennes généralistes déjà vers les antennes thématiques. Maintenant, cela ne suffira certainement pas. Et je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que on a tout mis dans l'infrastructure. Non. On a mis ce qu'on avait à mettre et on en a parlé d'autant plus qu'il y avait une échéance. Il y avait une échéance qui était dictée par la communauté internationale à laquelle nous faisons partie et qui était fixée à une date butoir. Cela ne voudrait pas dire que les problèmes de contenu n'ont pas été adressés parce que ce fonds spécial de développement de l'audiovisuel qui est créé aujourd'hui pour la première fois dans le domaine de l'audiovisuel, pour les contenus audiovisuels, la loi qui met ce fonds en place est en chantier, au moins depuis que la question de la réhabilitation technique est également en chantier. Merci Félix. Donc, ne soyons pas alarmistes. C'est un défi qui est un défi de taille, mais je pense que nous avons les moyens de le relever. Et faisons confiance à nos créateurs, producteurs comme Bassek Bakobio. Faisons confiance également à la chaîne de télévision publique, la CRTV qui se démultiplie. Pour faire face à cette demande croissante du public en programme attractif. Ce n'était qu'une amorce de ce débat. On aura l'occasion d'y revenir. Je vous propose de revoir une bonne nouvelle. C'était en début de semaine. C'était placé sous le repatronage du président de la République et avec comme représentant personnel du chef de l'État, le premier ministre chef du gouvernement, Philemon Yang, qui a donc présidé la cérémonie de mise en service officiel de 9 nouvelles locomotives par Camrail, le concessionnaire du chemin de fer au Cameroun. Retour sur cet événement avec Rachel Malongo en guise de focus des scènes de presse. L'acquisition de ces nouvelles locomotives est une preuve par 9. C'est de la volonté de l'État du Cameroun et du concessionnaire de poursuivre la modernisation du chemin de fer camerounais. En chiffres, 13,5 milliards de francs CFA pour un investissement qui allie confort et sécurité. Ces locomotives GPR 3000, neuves et modernes, sont dotées de 12 essieux type CC, de 6 moteurs de traction diesel, une puissance de 3000 chevaux. Chacune de ces locomotives offre la possibilité de tracter en moyenne 1500 tonnes de marchandises. Elles disposent de cabines climatisées et sont équipées d'ordinateurs embarqués dans le but principal d'assister le conducteur pendant l'exercice de ses fonctions.
À la Genèse, l'avenant numéro 2 à la concession, prévoyant des investissements de l'ordre de 230 milliards de francs CFA, dont 158 pour Camrail, qui en est aujourd'hui à 180. Avec à la clé un impact certain sur l'activité. Plus de passagers, plus de marchandises transportées en toute sécurité. L'activité voyageur a connu des améliorations significatives depuis 1999. Cette activité a coïncidé avec la modernisation des principales gares du pays, à la grande satisfaction du gouvernement de la République et des populations camerounaises. Cette heureuse évolution, tout le monde peut s'en féliciter aujourd'hui, renvoie, pour ainsi dire, au calendrier grec, les scènes d'insécurité, de cafouillage, d'inconfort et d'autres agréments à tout le moins surréalistes, autrefois vécus dans les gares et dans les trains. Il reste cependant que les défis sont nombreux et de tous ordres. Le contexte actuel et la place centrale du secteur ferroviaire dans le développement socio-économique l'exigent. Le suivi optimal du chantier des travaux de renouvellement des 175 km de voies ferrées entre Batienga et Ka, continuer à offrir un service de qualité pour les trains intercity et pour les trains couchettes. L'urgence de me proposer le plan de matérialisation et de sécurisation des emprises ferroviaires qui font partie du domaine public. Nous avons décidé de financer les études de faisabilité des travaux de construction de la ligne ferroviaire de Ngaoundéré vers le Tchad. Nous avons également manifesté aux autorités camerounaises notre intention de financer la construction de chemins de fer EDA Kribi-Lolabé pour accompagner la mise en place du complexe industriel au portuaire de Kribi. Une intervention et une présence qui ne sont pas passées inaperçues, celle de Cyril Bolloré, président de Bolloré Transport Logistics, qui rappelle à nos souvenirs la passion autour de la concession du terminal à conteneurs du port en eau profonde de Kribi. Loin des tempêtes médiatiques et après le happy end, Cyril Bolloré se jette à l'eau. Kribi demain sera le deuxième poumon économique, un accélérateur de croissance ainsi qu'un accélérateur d'emploi pour le Cameroun, sans pour autant négliger la première concession du port de Douala sur lequel nous devons également faire des investissements, ce qui permettra finalement d'avoir des coûts logistiques inférieurs, donc un pouvoir d'achat amélioré pour les Camerounais, ce qui leur permettra donc de consommer plus de biens et indéfiniment de créer plus de croissance. Nous espérons démarrer dans le courant du premier trimestre 2016, c'est même un engagement que nous avons pris, donc nous respecterons comme chacun des engagements qui ont été pris envers le Cameroun et les autres pays. Ailleurs, au port autonome de Douala notamment, un troisième portique est annoncé. Le projet d'acquisition avait été mis en berne par des responsables en 2011. L'équipement devrait résorber en grande partie des questions d'engorgement au port de Douala. Toute autre chose, à présent, on va parler d'une information qui n'est pas, qui ne donne pas à se réjouir, c'est la guerre contre Boko Haram, même s'il faut donc saluer le soutien des amis du Cameroun. Et on n'a pas fini, hein, Félix Zogo, de saluer cet engagement américain à travers ce contingent de 300 soldats, avec l'objectif donc affiché de mener dans des opérations des renseignements, des surveillances et des reconnaissances aériennes dans le cadre de cette guerre contre Boko Haram. Mais je pense qu'il faut s'en féliciter. Et puis, il faut se réjouir l'appel lancé par le chef d'État à la communauté internationale, l'appel du reste public, et bien sûr qui a dû, être suivi par des manœuvres diplomatiques par la suite, mais cet appel fut public. C'est le président de la République du Cameroun qui a appelé la communauté internationale, sa fameuse phrase, à menace globale, riposte globale. Donc que le Cameroun, face au terrorisme, ne pouvait pas être abandonné à lui-même. Aujourd'hui, le Cameroun a fait ce qu'il pouvait faire par lui-même, défendre l'intégrité de notre territoire pendant pratiquement un an, face à cette horde barbare qui déjà, depuis son épicentre, c'est-à-dire au Nigeria, avait réussi à déborder la première puissance économique d'Afrique,
que nous avons réussi à contenir à l'extérieur de nos frontières. Donc, que la première puissance militaire du monde, c'est-à-dire les États-Unis, ait été, je pense, la première à répondre, sous cette forme de la part de l'Occident, eh bien, au-delà de la réponse militaire, il faut voir en cela une crédibilité et une crédibilité de la parole présidentielle camerounaise à travers le monde. Merci. N'oublions pas que d'autres pays, peut-être plus concernés que le Cameroun, en premier chef par ce péril Boko Haram, étaient allés, eux, physiquement, aller faire la manche pour demander cet appui, sans pour autant qu'une telle réponse ait pu leur être apportée. Merci, donc, merci. L'un dans l'autre, on comprend que, eh bien, c'est la crédibilité du chef de l'État, du président de la République, c'est le fait que sa parole est écoutée à travers le monde. Merci, c'est entendu. Quelle a une valeur qui nous vaut aujourd'hui de bénéficier d'un tel soutien de la première puissance militaire du monde. On aura donc évidemment l'occasion de revenir sur cet engagement américain au Cameroun et certainement dans les prochaines semaines de voir les premières images des DJI sur le sol camerounais. Je vous propose en guise de plus de la semaine d'écouter des hommes de Dieu qui montrent également comment le Cameroun sait se rassembler dans des occasions difficiles. On a parlé la semaine dernière de ce dé national donc décidé, institué par le chef de l'État et qui a donc été suivi par un service interreligieux. Voici quelques instantanés de ce service interreligieux par ces hommes de Dieu à l'occasion de ce dé national suite au décès des pèlerins camerounais à la Mecque. En suivant l'idée de notre gouvernement la semaine dernière, qui a institué la journée de vendredi, journée de deuil, nous nous sommes réunis pour aussi pleurer et aussi assister les familles, les frères et sœurs qui ont perdu leurs parents le 24 septembre dernier à la Mecque. Dieu donne la vie et l'arrache quand et où il le désire, sans rendre compte à qui que ce soit. Nous lui rendons infiniment grâce, en période de joie ou en période de tristesse, comme c'est le cas aujourd'hui. En effet, une partie de nos frères et sœurs qui se sont rendus à la Mecque dans le cadre du grand pèlerinage a été frappé par la mort après la bousculade meurtrière de Mina le 24 septembre 2015. Parti pour accomplir l'un des cinq piliers de l'islam, ces personnes ne reviendront jamais. C'est un drame non seulement pour les familles des victimes, mais aussi pour toute la nation. Peuple de Dieu, le pèlerinage est une occasion pour le croyant ou les croyants de renforcer sa ou leur relation avec Dieu à travers les prières et les méditations. Comment s'y engager et trouver la mort? Ô Dieu vivant, toi qui partages toutes nos angoisses, donne toi-même un sens à ce qui est incompréhensible pour nous. Éclaire notre nuit, Seigneur, celle que nous vivons maintenant dans notre pays. Toi seul peux nous montrer que nous ne sommes pas abandonnés au hasard ou à la fatalité, pas même dans ce qui peut nous apparaître comme révoltant ou absurde, mais que toutes choses peuvent concourir au salut de ceux qui t'aiment. Ceux qui meurent dans la foi, leur foi sera à la fois grande devant Dieu et devant les hommes. Ils sont morts en héros de la foi. Ils n'ont pas tué quelqu'un pour aller au paradis. Ils n'ont pas été tués non plus pour quelque raison que ce soit. Leur mort accidentelle
est survenu alors qu'ils rendaient honneur à Dieu. Leurs noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle et leur sang versé leur obtiendra la miséricorde de Dieu. Ayons confiance en Dieu, comme notre père Abraham. La nation entière a donc porté le deuil et élevé les prières au Dieu Tout-Puissant pour le repos des âmes de nos compatriotes décédés lors de ce dernier pèlerinage à la Mecque. On va boucler la boucle avec la dernière rubrique de Scène de Presse. J'accueille Aurélie Crescence Mbida pour les Unes du lundi. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Aimé Robert. Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour notre revue des Unes du lundi. À notre table ce soir, juste trois journaux. On va commencer par The Spark qui affirme que la générosité du Cameroun ne suffira pas pour nourrir les 310 000 réfugiés accueillis chez nous. Raison pour laquelle Stephen O'Brien, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des secours d'urgence, demande l'assistance humanitaire internationale urgente pour le Cameroun, précise le journal de Pauline Billon. À la une du Patriote, finance, la Chambre d'agriculture crée une microfinance agricole. Une souscription nationale a été lancée du 9 octobre au 15 décembre 2015. L'établissement va également octroyer des crédits à 3000 organisations du secteur agropastoral, halieutique et civilcole. Bien plus, 15 000 emplois directs et indirects seront créés, nous dit le journal de Pierre Sanam à Noatok. L'actualité en région, dans le sud notamment et dans l'immigrant, qui parle de politique en grande une. RDPC, renouvellement des organes de base, Louis Paul Motazé maintient le cap. Le journal d'Éric Zibia Tangana révèle qu'au terme de la première réunion d'évaluation tenue dans la permanence du parti RDPC de Nkovos à Ebolova, le président de la commission départementale a réajusté les angles au regard des difficultés rencontrées par les responsables opérationnels. Et puis religion, Martin Bellinga et Boutou consacrent qu'ils ont à Dieu. C'était à travers la paroisse Sanctuaire Jean-Paul II qu'il a retrocédé à l'évêque du diocèse de Saint-Mélima en présence du nonce apostolique et d'une douzaine d'évêques. Pour l'immigrant, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République a donné la preuve de sa foi. Et c'est donc sur cette une du Patriote que va fermer notre revue des Unes du lundi. Mais ne l'oubliez pas, le reste de l'actualité est en kiosque. Faites-y un tour, vous aurez tous les détails. Nous ici, c'est notre devoir de vous donner la primeur de l'info, car c'est à Scène de Presse qu'elle se retrouve. À dimanche. Merci Aurélie, à dimanche. Il ne me reste plus qu'à remercier nos invités du soir, Jackson Dike, le professeur Daniel Anissé-Noir, Basek Bakobio et le docteur Félix Zogo. Merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles, la presse qui de la scène. Bonsoir.